Ça fait des mois que l'entreprise MTS au port du Rhin stocke sans autorisation des quantités assez astronomiques de bois contaminé par un produit toxique cancérigène, alors qu'on est à seulement quelques mètres de l'eau. Donc dans des conditions qui posent réellement question, l'entreprise a été sommée par la préfecture il y a à peu près 2 mois d'évacuer le site, et pourtant écoutez, le bois est toujours là. Alors comment ça se fait? Comment réagissent les pouvoirs publics? D'où vient ce bois? Pourquoi est-ce qu'il est là? Écoutez, on vous explique tout dans rue 89 Strasbourg.